Bonjour, je vais vous montrer apprendre la fleur de Brunus. Aujourd'hui, d'abord, je vais vous montrer les deux pinceaux, le petit et le plus petit, plus fin, pour permettre de faire des étamines. Donc, je vais vous montrer d'abord le modèle. Comment employer nuance, c'est il faut un peu l'encre noire. Mais dans l'assiette, il faut un peu plus de l'eau pour surtout les pétales de prunus. La fleur de prunus très précieuse, il faut faire attention, pas trop fort. Alors, regardez bien, normalement ouvert ces 5 pétales. De base, comme les bases de calligraphie, pointe. Je vais faire d'abord, normalement il y a 5. Si c'est là, regardez bien, si on va faire là. 4, c'est presque ouvert. Je vais faire montrer un peu moins. Si c'est possible, regardez bien. Là, ça fait modèle. Dès que si c'est trop foncé, n'oublie pas de tremper un peu l'eau. Ajouter une nuance un peu plus claire possible. Alors, donc, je vais faire un. Deux, et je fais un peu bouton. Regardez bien. Là, je vais prendre le plus petit pinceau pour l'étamine. Fais attention. Central, le point. Regardez bien, milieu. C'est ouvert. Donc, fais attention. Dès que mouillé, il faut essuyer encore plus. L'étamine, c'est très important, c'est la fin. Je vais montrer d'abord comment faire le pétale. D'abord, regardez bien le pinceau. Considérez un seul pétale. Et si deuxième, ajoutez à côté deux ou alors trois. Quatrième, par exemple. La suite, c'est ouverte, 5 pétales, par exemple. Attention bien, regardez, tout c'est les façades, c'est la face, on l'appelle, le fleur tout ouvert, entière. Alors, la suite, n'oubliez pas, employer ce petit pinceau, mais très peu l'encre noire, pure. C'est l'étamine, regardez bien. Si central, comment faire les damines, c'est ça. Regardez bien comme les étoiles. Alors, ça, si c'est un seul, seulement on l'a fait. La centrale. Regardez, ouvert, c'est important. C'est un étamine. Ça, milieu, gauche à droite. Là. Alors, par exemple, c'est le fait, on la prend, comment reconstituer, c'est ça, pour le branche. Par exemple, le branche, on peut faire des centres. C'est comme au précédent, on avait les fleurs. Orchidée et puis chrysanthème ou le nervure, c'est ça le geste, prends le pinceau, d'accord, regardez bien, ou on peut faire en haut, pas vers haut, et c'est ça le, pour le branche. Comment constituer? On va faire attention, maintenant je vais montrer simple que comment, regardez bien, je fais un petit bouton pour vous montrer d'abord.
Très simple, reconstituer trois. Comment lier avec le penche. Et là, si c'est 3, 2, je vais faire un peu 4, ok. Maintenant, on va faire, fais attention. Et termine milieu, gauche, droite. Et là, si c'est un petit peu, voilà, je vais vous montrer très simple de punus. Il faut que vous vous laissez faire à la maison. On se trouve la prochaine fois.